Salut tout le monde, c'est Jolatès, j'espère que vous allez bien. Et vu que ça faisait longtemps que j'avais pas fait un petit jeu d'horreur sur la chaîne, mis à part The Park la dernière fois, je me suis dit que ce serait bien de me lancer dans un petit let's play. Et justement, un nouveau jeu d'horreur vient de faire son apparition. Ça s'appelle The Ritual on Wellin Island. Et ça a l'air plutôt pas mal. Le jeu est tout récent, il est à 7,50€ sur Steam. Certainement moins cher sur d'autres sites. Et puis on est parti. On va lancer une nouvelle partie, on va voir ce que ça donne. Allez, let's go. C'est parti. Le jeu est en anglais sous-titré français. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est inspiré de films d'horreur des années 80, apparemment. Allez, c'est parti. Alors, j'ai juste lancé le jeu histoire de voir comment ça marchait. Mais j'ai pas été très loin. J'ai pas voulu me spoiler plus que ça. Donc, on va découvrir en même temps. C'est parti. Tu as de la chance, la tempête s'est calmée. Cette maudite chose s'est abattue sur l'île comme si Dieu haïssait cet endroit. Très bien. Ta famille a survécu au pire hier. Tu as eu de la chance à perdre le bateau. Je ne voulais pas venir du tout. Je voulais être là pour ma sœur. Tu sais s'il y a une radio ou un téléphone? Je ne peux pas te le dire. Je fais cela depuis 30 ans et je n'ai jamais reçu une invitation à passer au-delà du quai. Par contre, j'ai entendu plusieurs histoires sur cet endroit. Et ça m'est égal d'en répéter quelques-unes. Je ne sais pas, c'est ma première fois ici depuis que j'avais 8 ans. Quand vous allez rentrer? Demain à la même heure, prends soin de toi maintenant. Ça marche? Ok. Petit chico avant de commencer. C'est toujours sympa. Donc, comme je vous le disais, le film est inspiré de films d'horreur des années 80 apparemment. C'est ce que j'ai lu dans le résumé. Et puis apparemment, lui il nous a laissé sur une île là. Et on va devoir retrouver notre grand-père, un truc comme ça. J'ai pas bien... On va découvrir tout ça ensemble. Désolé de ne pas être là pour t'accueillir, la tempête a empiré. L'oncle Brian, Finn et Megan sont là. Nous sommes montés à la maison de grand-père Rowena, PS. Il y a une lampe de poche dans le bureau. Très bien. Il paraît que tout le groupe est là. Ok. Petite cassette audio. Ce message audio est destiné à ma famille qui a fait le voyage du continent vers Blessed Island. Petite lampe de poche. Ces piles devraient durer plus longtemps. Mon fils Brian, avec ses fils Finn et Megan, et Rowena et Moira, qui me rappellent ma fille, morte avant son temps, cette île appartient à la famille depuis 5 générations. Oh yes, un manoir. Wellin Manor. Elle et tous ses secrets sont maintenant à vous. Ok, donc, vous verrez qu'on a des objectifs. Va à la maison du grand-père déjà, ok? Ça c'est pas mal. Allez, c'est parti. En tout cas... ok, d'accord. En tout cas, ça a l'air plutôt sympa. Hein. Niveau ambiance et tout. Moi, j'ai lu le résumé du jeu direct. Ça m'a parlé. J'ai dit, faut que j'essaye ça. Y a pas moyen. En plus, ça me parle, moi, les jeux avec des manoirs, des trucs comme ça, là. J'aime bien ça. Va à la maison du grand-père. Ok, d'accord. Chercher. Alors attendez, parce que moi j'ai un petit logo en haut à droite. Cherche ta sœur. Ok. Ouais, je vois pas bien l'objectif, j'ai un petit logo en haut à droite. Hey, is anyone in there? Il y a quelqu'un là-dedans, c'est Moira. Rowena, c'est moi. It's me. Wow. C'est quoi là-dedans? Holy shit. Merde alors. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Je crois qu'il y a un générateur en bas, les choses seraient plus simples s'il était allumé. Très bien. Trouve la clé de la cave. Ok. Petite cassette audio. «
Blessed Island a été acheté par mon père en 1891. Il avait quitté l'Europe avec un peu d'argent dans sa poche obtenu grâce à la bourse et il a cherché la tranquillité. J'ai peu le temps. Il était un libre penseur, un intellectuel. Il était attiré par l'isolement. Ok. Il avait amené avec lui d'autres comme lui pour créer, pour conduire, pour théoriser et planifier avec un œil. Il regardait le passé. C'est quoi le bouquin là? J'ai pas vu. Et avec l'autre, il se dirigeait vers le futur. Notre héritage est riche en art ancienne et de l'occulte, un rêve pour certains, mais un cauchemar pour d'autres. Ok. Ça a l'air chaud ici, non? Vite fait ou... Ouais, genre, il y a des pentagrammes et tout. Des signes satanistes sur les frigos. Par contre, je sais pas s'il y a des piles dans la torche. Elle a parlé de piles au début. C'est quoi ça? Bah allez, prends-le, vas-y. Parfait. On va se casser de là. Ouais. Ça a l'air chaud dans le coin. C'est dégueulasse ici. Des médicaments. Oh putain. Il m'a déjà fait peur lui. Putain, c'est la poupée là qui a perdu sa tête, elle m'a foutu les boules vite fait. Rowena, where the hell are you? Rowena, mais où es-tu? Ah, en tout cas sympa, petite terrasse avec le balcon là. Sympa la vue. Sympa, sympa. Bon, on va retourner à l'intérieur. On va aller voir ce qu'on peut y chercher, parce que quand même, l'objectif, c'est trouver la clé, il me semble, c'est ça, trouve la clé de la cave. Bon, ça doit être sûrement quelque part par là. Tiens, bah elle doit être là. Impeccable. Je l'ai. C'est cool. Oh. Attendez, parce que moi, ouais, j'ai toujours mon logo en haut à droite. J'arrive pas à voir. Actionne le générateur. Ok. Bon, on va aller à la cave. Ouais, c'est... Non, ok, d'accord. Donc, du coup, c'est là. Yes. Allez, c'est parti. Oh, il y a quelqu'un. Tu es en bas? Oh, putain. Donc, je sais pas combien de temps est-ce que le jeu va durer au passage. Hein, ça se trouve, je couperai... On verra bien. Je sais pas. Peut-être que je le ferai en une fois ou pas. J'en sais rien, ça m'étonnerait. C'est quoi ça? Ok. Oh yes. Générateur. Allez, démarre. Allez, on sent. Tu fais niante, elle aussi, là. Oh. Oh, c'est quoi ça? C'est ça le fameux rituel? Le rituel on Welling Island? C'est l'oncle Brian. Qu'est-ce qu'ils sont en train de lui faire? Très bien. Oh! Oh! C'est quoi ce bordel, mon vieux? Ce machin. Ok, c'est un espèce de... De taré. Enfuis-toi de la cave. Ouais, on va essayer d'y aller tranquille. En se baissant. Oh!
putain de merde! Il m'a foutu les boules, le bâtard! Il est bugué ou quoi? Oh yes! Vas-y, ferme la porte. Oh, comment qu'il m'a foutu les... C'est lui! À gauche! Ce phare est de l'autre côté de l'île. I gotta find a way out of here. Attends, okay. Vas-y. Hein? Vas-y. Ok, d'accord. Oh putain, le con. Get away from me! Allez, vas-y, dégage, tiens. Coup de pied dans la gueule. Salopard! Regardez-moi ça, cette tête qui a le bordel. Eh, hey, mais il me... Ok. D'accord. Très bien. Quoi? Sérieux? C'est quoi le délire? J'ai perdu ou comment ça se passe? Allez, vas-y, 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 là! Putain! Va te faire! Allez, ferme! Allez, oui, pourquoi il y a des photos, machin, je sais, là. Chut. En fait, j'ai perdu, quoi, tout à l'heure. Je sais pas comment que ça se fait. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Allez. Allez, monte, là, monte, monte, monte. Monte. Allez. Alors, regardez, j'ai... Ah, bah voilà. Ah, fallait appuyer plus vite, en fait. Ok. Yes. C'est bon, j'ai réussi. Bah, je crois. Hein. Oh! Chapitre 2. The Watcher of the Woods. Très bien. Ça me parle. Pourquoi pas. Je sais pas du tout combien il y a de chapitres. Hein. On va bien voir, mais en tout cas... Il est parti, l'autre, là. Regardez ça, comment que c'est... Comment que c'est macabre, là-dedans. Alette, zut. Aide-moi, Moira. Rowena, Rowena, j'arrive. J'arrive, j'arrive. Bouge pas, sister. Oh, putain. Peu importe où tu iras. Qui c'est qui me parle? Peu importe la vitesse à laquelle tu courras. Je vais sûrement aller par là. Tu n'échapperas jamais. Toi ou ta sœur. Je vais essayer d'aller là, c'est quoi ça? Allez, vas-y, monte. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais. Ok, d'accord. Très bien. Je vais éviter d'aller par là. Putain, attends, mais elle est où, Rowena, là? Oui, elle était en train de gueuler, il n'y a pas deux secondes, là. Sympa, les petites musiques qui vont avec le jeu et tout. Ça met super bien dans l'ambiance. Je vais essayer d'aller par là. Ah, yes! C'est quoi, ça? Petite boîte à musique. Très bien. Ok. C'est tout? C'est tout. Et voilà, pas plus que ça. Non? Ok, donc à mon avis,
Ouais. À mon avis, ça doit être un indice. On va essayer d'aller autre part. Great. What's next? Parfait, qu'est-ce qu'il suit? C'est quoi ça? Bah. Pourquoi ça me renvoie là encore? C'est quoi ce délire là? Pourquoi ça me renvoie ici à chaque fois? Je l'ai fait ça. C'est la troisième fois que je l'ai fait là. Très bien. Voilà, on se casse. Voilà ailleurs. Great. What's next? Parfait, qu'est-ce qu'il suit? Non, non, bah c'est bon. On va pas retourner là-bas, non? Pas que ça va faire. On va essayer d'aller par là un peu. Oh! Ouh! Fameux rituel! Waouh! Ça a l'air chaud par là. Ok. Ça a l'air super chaud. Putain, c'est quoi? En fait, c'est des. En fait, c'est une île de malade mentale. Putain! Ah, oh, mais vas-y, mais je suis pas mort! Il m'a foutu les boules. Vas-y, on va y aller tranquille. Comment qu'il m'a foutu les boules? Le bâtard, quoi. Putain, regardez, il est encore là. Oh, ah ouais, putain, la lumière, ça l'attire. Oh putain, comment que ça m'a foutu les boules? Quand il a commencé à parler comme ça? Oh putain, j'ai cru qu'il y en avait un autre. Oh, la lumière, ça l'attire. Il est attiré par la lumière. Qu'est-ce que je suis? Je... Putain, je fais quoi là? Je sprint à côté ou comment ça se passe? J'ai pas moyen de passer par là. Je suis sprinté à côté. Allez, c'est parti! Lâche-moi! Je l'ai eu! Je l'ai eu, je l'ai eu! Ouais, je vais éviter d'allumer la lampe torche maintenant. C'est pas de ça, mais... C'est que si je me fais griller à chaque fois. Putain, c'est quoi là-dedans là? Pinway Trail, Compton, Lighthouse Crossing. Vas-y, je pense que. Je vais suivre les panneaux. Hein. On verra bien.